Le quartier de l'Alfama s'étend au pied du Castello Saint-Georges, avec ses ruelles enchevêtrées qui rappellent une médine mauresque, avec ses places ombragées de palmiers et ses maisons étroites aux tuiles rouge-orangées qui dévalent jusqu'au Tage. C'est la place parfaite pour se perdre dans le labyrinthe des petites rues. Rentrer dans les boutiques, dans les restaurants, ou s'asseoir sur les mini-terrasses bien installées dans la rue. Côté historique, ben disons que le quartier a pas mal de vécu, parce que les Romains qui allaient au théâtre ont battu le pavé de ces ruelles, tout comme les morts qui se rendaient au hammam, ce qui a donné le nom au quartier Alhama, qui désigne des fontaines ou des sources. Et c'est drôle, hein? Parce qu'ici, on se sent pas vraiment dans une place touristique, parce qu'il règne une vraie vie de quartier. Et de pouvoir en faire partie pendant un petit instant, c'est vraiment spécial. Continue notre promenade, on arrive devant la façade de la cathédrale de Lisbonne, construite en 1150 sur le site de l'ancienne mosquée. Elle a été ravagée à plusieurs reprises par des tremblements de terre et rénovée au cours des siècles. Aujourd'hui, la cathédrale affiche un mélange de différents styles architecturaux. Avec ses deux tours et sa magnifique rosace, la façade a conservé son aspect roman, telle une forteresse. Son intérieur est sobre, sombre et austère. Mais de l'extérieur, elle est forte, droite et vraiment impressionnante. Quand même très cool comme ambiance. On est sur la rue piétonne la plus populaire de Lisbonne. Belle vibe, des beaux petits restos, des terrasses, ben du monde. Puis on va repasser ici demain, première heure, pour voir de quoi ça a de l'air. Durant la Reconquista, Lisbonne a changé de main au gré des attaques chrétiennes, qui voyaient une cible privilégiée au bord du Tage. Ainsi, la ville a passé d'un pouvoir à l'autre, et ça devient plutôt difficile à suivre. Initialement reconquise durant une contre-offensive en 796, Lisbonne a été mise à sac, puis les forces chrétiennes, trop loin de leur camp de base, se retira. Et on répéta cette tactique à quelques reprises. Entre-temps, les musulmans allaient se battre entre eux. Lisbonne allait être conquise par Alphonse VI de Léon, mais rapidement reprise par les musulmans en 1095. Mais sérieusement, je pense que pour les passionnés d'histoire qui veulent un peu mieux comprendre ce qui s'est vraiment passé, je vous suggère de vous trouver un documentaire historique un peu plus long que celui-ci et qui pourra prendre un peu plus de temps pour vous expliquer tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'avec tous les changements, les batailles contre les morts, les alliances, les pertes de territoire, les reconquêtes, ben on s'y perd assez vite. Bon, ben mes amis, on peut dire que c'est une première journée réussie. On a dépassé le cap des 20 000 pas. J'ai mal dans le dos. J'ai hâte de m'en retourner à ma chambre. Et c'est ce que je fais. Et 8 heures? Non, 7 heures! Il est 7 heures! Mais c'est bien en masse. C'est assez pour aujourd'hui. Et demain, on repart ça de bonne heure. Ah! Oh, la vie est belle. Malgré que c'est rochant en ce moment, là, mais la vie est belle. Ciao!